dommage que j'ai pas le choix, tu sais. Martin. Katia. Hey, Rose! Laisse pas asseoir. Ça tente une soirée à la part dans le Girls? Ça te ferait du bien de décrocher ton personnage un peu. Je me trompe? Ah ouais. Tu sais que je suis jamais capable de te dire non. Je le savais, t'allais dire oui. Ok, bye. Martin, je sais que t'es effrayé. Je sais que t'as peur de partir, de te laisser derrière. Martin. Hello! C'est vendredi? Vendredi. Mm-hmm. Ok, on se coupe. Je t'ai acheté ton vin préféré. Ah, t'aurais pas dû. Je viens à ta rescousse, madame. Ok? Ah, oh, c'est bon pour moi, Katia. Je l'embarque là-dessus, je viendrai jamais à bout. Ok, bon. Un peu plus pour moi. Bon, on va regarder ça, cette affaire-là. Ah! Ok. Je vais mettre un personnage, ok? Mon amour, je pense qu'il est vraiment temps qu'on prenne des chemins différents. Je te laisse partir, je me libère de ton étreinte, ton étreinte, voyons ton... Qui dit ça? Soit tu incarnes ton personnage à la perfection, ou soit ça va pas pantoute. Il y a quelque chose que je t'ai pas dit. Ma peau là qui est pas là, c'est tout. On va déranger personne si on fait du bruit. Ok. Mais c'est quoi le problème? Je suis juste épuisée, là. Entre les auditions pis les gonds, on dirait que j'ai pu mettre la tête. Ça veut dire que ce vendredi aurait jamais pu mieux tomber. Ok? À soir, là, on change les idées. Qu'est-ce que t'en penses? Allô? Regarde, Katia. Faut vraiment que je te dise de quoi je... Joe vient de me texter. On se voit tantôt. Comment tu vas? Je commence à m'ennuyer. Pas trop stressé pour ton audition demain. Ouais. Alors, fais-toi sympa, t'en as jamais manqué une. Écoute, à propos de mon texto de tantôt. Là. Ok. C'est big, ok? Une fucking grosse compagnie qui m'a approché. Ils veulent que je réalise leur prochain film. Un budget de malade, ok? Ça va être du jamais vu au Québec. Toi, mon actrice principale. Rose, ça va-tu?